Quoi? C'est qui ça? Pas si vite! Oh, c'est encore la Team Rocket! Oh, ils sont partout! Yo, ça va ou quoi? C'est Bobby et on se retrouve sur Pokémon de Kamri Legend. La dernière fois, on est allé retrouver le maire. Mais en fait, c'était un Zoroark qui s'était déguisé, on a dû l'affronter, bref. C'était n'importe quoi, après on a commencé à partir dans tous les sens pour trouver comment fabriquer une espèce de cuillère. C'est pas vraiment une cuillère pour manger, c'est un espèce de porte-bonheur ou un truc comme ça. Et du coup, là on est revenu à... Enfin, on était revenu à Simar City. On avait trouvé une fille qui avait une cuillère, mais il faut qu'on lui rende un service. Il faut qu'on ramène un Pokémon à un mec dans une ville à l'autre côté de la région. Par contre, on va faire un truc d'abord. Ouais, j'ai capturé un Pidgeotto que j'ai appelé Oiseau, comme le Pycléron qu'on avait capturé. Parce qu'en fait, Pycléron ne peut pas prendre vol dans ce jeu. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, Pidgeotto, c'est bon. Tout va bien. Du coup, on va voler ici d'abord, à Palm City. Pourquoi? Parce que... on a Billy et Jackie. J'aimerais bien les faire évoluer. Enfin, surtout Billy, parce que je trouve que... Il est un peu trop mauvais en l'état, là. Hop. Je crois que c'était ici, les pierres. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, une pierre nuit... Et Moonstone, voilà. Nickel. Oui, parce que ça y est, j'ai décidé. Je prends une Moonstone, bah oui, forcément, c'est Noctali. Parce qu'en vrai, on a un Pokémon feu, un Pokémon plante, un Pokémon électrique, un Pokémon eau. Du coup, j'aurais pu faire quoi? Ouais, non, c'est qu'il n'y a que Noctali, hein, parce que après, vu la nature de Billy, je pense que c'est. Noctali, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, en tout cas, moi, je me suis dit, on va faire Noctali. Du coup, c'est parti. La pierre lune sur Billy. Enfin, on le fait évoluer. Ah, tellement beau Billy, il va prendre un regard noir. Non. Pas du tout. Voilà, et la Duskstone sur Jackie. Toudoudou. Allez Jackie, vas-y évolue. Oh magnifique. Jackie évolue en courgette. Alors, du coup... Par contre, il va peut-être falloir passer un petit coup de fil à un ami. Hop, le Move Master. Il peut peut-être nous enseigner 2-3 trucs. Alors, Billy, je pense pas. Non, Billy, il a rien à apprendre. Ah tiens, sur Hell, on n'avait pas... Je pense que... Ouais, voilà. High Jump Kick. Ce serait pas mal, sur Hell. 130 de puissance à la place de double pied, hein. Voilà, nickel. Et évidemment sur Jackie. Alors Jackie, on peut lui apprendre Phantom Force. C'est tout, je crois. Ouais, après le reste, on s'en fout. Eh ben, on va lui mettre Phantom Force du coup. C'est toujours mieux que Balombre. Hop. Ouais, c'est bon. Je crois que c'est bon. Après, est-ce qu'on peut leur mettre des CT? Peut-être à Billy? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Est-ce qu'on peut mettre Halloween sur Billy? Eh oui, on peut mettre Halloween sur Billy. Donc ça, c'est pas mal. À la place de Covette, parce que Covette, on s'en fout, hein. Et je crois que c'est tout, hein. Ouais, je crois que c'est tout. Je pense pas qu'on puisse lui mettre autre chose à Billy. Bon, bah voilà. Hop. Et je voulais faire autre chose dans cette ville. Il y avait le Devil's Bridge qui amène vers le mec qui voulait qu'on lui ramène vol. Hop, voilà. Le pont de l'angoisse, là, qui nous avait amené dans une zone toute rouge. Voilà, c'est ça, la zone toute rouge, effectivement.
Oh, le chaudron du diable. Voilà, ça s'appelait comme ça. Démolos. Ah oui, mais maintenant, on n'a plus le talent qui nous permet de fuir à tous les coups. Ah, il est là. Comment il s'appelait, le mec Crobat quelque chose. Ouh, un Irisandre, tiens. En fait, j'ai l'impression qu'il y avait... il y a tous les starters feu, ici, quoi. Ah, Crobat Kid. Le mortel revient. Je sais que tu es en ta possession de vol. Eh oui, bah, je suis venu te le donner. Regarde mes pouvoirs sombres, mortel. Et pouf! Grâce à ma magie noire, maintenant, Crobat est comme avant. Ah, maintenant, il veut qu'on l'affronte. Très bien. Bon, bah, ok. Bah, apparemment, il n'y a pas le choix. C'est parti. Crobat Kid, l'ange déchu. Comment on peut... Ah, bah, tiens, on peut tester. Trick or treat. Du coup, on lui met le type spectre. Et là, on lui fait morsure. Et voilà, c'est super efficace. On a tellement de défense avec Billy maintenant que... Il peut nous attaquer, on s'en fout. Et voilà, on l'a défoncé. Parfait. J'ai été battu par un simple mortel, je vois. Je vais retourner là où est ma place. Ouais, dans les profondeurs de l'enfer, quoi. Ok, bah très bien, vas-y. Mais sans moi, hein. Tu y vas tout seul. Je vais voler dans mon ancien royaume. Ouais, ok, blablabla. Bla, bla. Pas de problème. Ah, il y avait quelque chose. Ok, il nous donne la CT malédiction. Mais on s'en fout un peu, en fait. Bah du coup, maintenant... On peut voler... je crois que c'était à Lucenatorn. Mais Lucenatorn, on l'a pas encore découvert. Donc faut qu'on aille à Breviti Village. Et ensuite qu'on aille jusqu'à Lucenatorn. On va juste se soigner. Parce que la fille nous avait dit que il fallait ramener un love disc à quelqu'un à Lucenatorn. Je sais plus comment il s'appelle. Genre Cyril, un truc comme ça. Comme ça, après, on pourra avoir la cuillère. Enfin, j'espère. Parce qu'on s'est, on a un peu fait tout le tour de la planète pour cette cuillère, quoi. Ouh, un monorpal. Ouais, non, on va juste prendre la fuite, hein. On va pas se prendre la tête. Non, mais laissez-moi tranquille, hein. Ah, on peut pas s'échapper. On n'est pas assez rapide. Ah, c'est bon. Ah, mais je suis bête, on a des repousses. Alors, où sont les repousses? Non? Ah, voilà. Parfait. Bon, on en a pas beaucoup, mais on en a. Hop. Allez. Je crois que c'était pas... Ouais, on avait déjà commencé à faire la route, mais on n'était pas allé jusqu'au bout. Ça, on avait fait. Lui, on l'avait affronté. Par contre, là... Ouais. On n'était pas allé. On va juste aller voir ce qu'il y a, là. Ah, une petite Pokéball. Max Elixir. Bon, ça peut être utile. Pas tout de suite, mais pour plus tard, quoi. Voilà, c'est un dresseur, j'imagine. Oui, forcément. Forcément, c'est un dresseur. Magnéti. Ah bah, nickel. On va envoyer Hydro. Voilà. On est immunisé. Ah bah, on va mettre Machination, tiens. Bon, il nous fait zéro dégâts sur Lumino Canon, mais il nous a baissé notre défense spéciale. Ça, c'est pas... C'est pas top. Bon, la one shot. Parfait. Le Voltorb, bah, bon, on va le one shot aussi. Nickel. Bon, il nous reste que 38 PV, donc c'est pas... Là, s'il nous met Lumino Canon, c'est chaud. Oh! J'aurais dû switcher. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. On va balancer Hell. Hop, Blaze Kick. Non. Ouais, si, on va mettre Blaze Kick. Ah, une Hyper Ball. Ok. Très bien. Bon, on continue. L'effet du repousse, non, on n'en veut pas. Ah bah on va juste regarder s'il n'y a pas des Pokémon intéressants dans ces hautes herbes.
Ça, non, on a déjà un Pokémon électrique. Moi, je voudrais surtout un Pokémon acier, quoi. Pokémon acier, ce serait cool. Ou un Pokémon roche, à la limite, mais si c'est un Pokémon roche, faudrait que ce soit un bon Pokémon roche, quoi. Ok, y a rien d'intéressant, a priori. Oh, là, on va galérer pour fuir. Allez, tu veux pas me laisser fuir, s'il te plaît? Voilà, merci. Ah, on est arrivé à Lucenaton. Très bien. Blitza est un chevalier talentueux. Ah, mais Blitza, c'est pas la fille dans l'histoire qui s'était coupé un bras ou un truc comme ça? Mais son entraînement a été dur. En fait, il a été tellement dur. Ouais, c'est ça. Elle a eu une grosse coupure sur son bras droit. Ok. Très bien. Donc c'est genre la sœur du Dragon Slayer, je crois, un truc comme ça. Est-ce que tu as un fossile pour moi? Non, j'ai pas de fossile, désolé. Ok, donc lui, il faut lui ramener des fossiles. D'accord, donc apparemment, il y a un site de... Ouh! Elle nous donne casse-briques. Bah, c'est sympa, merci. On peut l'apprendre à quelqu'un, ça, ou pas? Casse-briques. Ouais. Hop. On pourrait l'apprendre à Hell, mais on en a pas besoin, quoi. On a déjà Power Up Punch et High Jump Kick, donc on s'en fout. Mais apparemment, il y a un site de... Un site de quoi? De fossiles, quoi. Bref, il y a des fossiles par ici, quoi. On va aller voir ça. Mais d'abord, il va falloir qu'on trouve, Cyril. Je suis un Pokémon dragon méchant. Ok, pourquoi pas? tu ressembles pas vraiment, mais oui, on va dire ça. Comment ça va, dresseur? Est-ce que tu t'amuses à entraîner tes Pokémon? Ouais. Bien, mais ça peut devenir mieux avec mon aide, bien sûr. Tu peux m'affronter pour gagner plein d'expérience. Les expériences, c'est experience points, ouais, je sais. D'accord. Ah, d'accord. Donc lui, il a des Pokémon qui rapportent beaucoup d'expérience. Donc si on veut, on peut l'affronter pour augmenter beaucoup l'expérience. Et elle vend des pierres du Zodiac. On avait testé la dernière fois la pierre du Zodiac sur Billy. Je crois que c'était sur Billy, mais j'avais pas compris ce que ça avait fait. Donc faudrait que je regarde plus en détail, mais là j'ai la flemme. Honnêtement, j'ai la flemme. Et donc lui, il faut l'affronter pour gagner de l'expérience. Mais de toute façon, comme on est en mode difficile et que les dresseurs s'adaptent à notre niveau, ça sert à rien de gagner de l'expérience. Il n'y a pas très longtemps, j'étais gestionnaire d'un groupe de pop populaire ici à Camry. J'ai démonté la bande, cependant, à cause de... je me souviens pas vraiment. Quelqu'un a pris ma place. Donc je vis dans la solitude ici à Lucenatown. Tu connais mon histoire. Ah, ouais, pas très joyeuse ton histoire. Bah, je suis désolé pour toi, mec. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Là, il y a le Pumpkin Patch. D'accord, donc il y a des Banshitrouilles et des Pitrouilles. Et il y a des baies aussi. On n'est pas sûr si les Banshitrouilles et les Pitrouilles ont un dresseur. Ah ouais? Ah oui, bah tiens, là il y a le Banshitrouille. Pitrouille, ok, très bien. Ah, il y a un truc là-bas? Oh, une CT. Ah ouais, mais ça, non, on s'en fout en fait. On s'en fout. D'accord, donc là il y a des baies. C'est quoi comme genre de baies? Des pumpkin berries. À quoi ça sert? On va regarder à quoi ça sert, tiens, ça m'intéresse. C'est une baie rare, mais son utilité... Enfin, elle a pas vraiment d'utilité, quoi. D'accord. Ok. Donc, en gros, ça sert à rien. Très bien. Et il y a quoi, là-dedans? Ah! Une copain ball. J'ai l'impression que ça, c'est un peu la zone qui sert à rien. Je suis pas sûr, mais je crois, hein. On n'a pas fait cette maison. Ah bah ça doit être ça, parce que c'est la dernière maison. Ce doit être la maison dont Aiko parlait. Il n'y a personne ici. Ah! C'est qui? Oh, désolé, mauvaise maison.
Attends, c'est la maison de Cyril. Je veux dire, ma maison. D'accord. Donc en fait, Cyril, c'est une fille. Ok. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je dois verrouiller ma porte la prochaine fois. Une lettre de Aiko, vraiment? Ça fait ma journée. Je veux dire, je ne sais rien de cette personne qui s'appelle Aiko, non. Maintenant, si tu veux bien me donner ce love disc, je vais le donner à son propriétaire. Ok, très bien. Ok, ça nous a ouvert le PC directement. Du coup, on va pouvoir prendre le love disc. Et elle nous a dit qu'il fallait le mettre en première position dans l'équipe. Très bien. Hop. Voilà. C'est bon. Ah, c'est bon. Le love disc, il est là. Il est tellement gentil. J'aime les fleurs. Tu pensais que j'étais un garçon? Bah ouais, moi je pensais que t'étais un garçon, ouais. T'es bête. Cependant, Aiko, c'est un nom étrange pour un garçon, je dirais. Quoi? Aiko est une fille? Ouais. En fait, je crois que les deux, elles se sont pas très bien comprises. Elles pensent que je suis un garçon aussi? Ouais. My. Alors, je vais lui faire une surprise en allant lui rendre visite à Simar City. Je sais exactement où elle est. J'ai eu surf du professeur Scarlett. Donc, on va pouvoir y aller ensemble. Ah, bah allons-y, voilà. On traverse vraiment 30 000 fois toute la région, de long en large. Hé, hey Bobby, tu as livré la lettre? Eh oui, j'ai livré la lettre. Alors, comment est Cyril? Comment il va? Eh ben, comment te dire que... comment te dire? Alors, qu'est-ce qu'il y a, Bobby? Tu ne peux pas parler? Allez, crache le morceau, Bobby! Et voilà! Voilà, c'est Cyril. Je te présente, Cyril. Aiko, c'est moi! Je suis Cyril! Qu'est-ce que tu racontes? Des bisous et des câlins, c'est ce que tu m'as écrit, non? Et j'ai aimé tes fleurs, en fait. Elles sont très jolies. Aussi, j'espère que tu as aimé... Bon, bref. Il parle de plein de trucs. Donc, c'était toi, Cyril? Tu es une personne incroyable. Je l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Est-ce que je devrais le répéter? Ok, d'accord. Donc apparemment, c'est la joie, la bonne humeur. Très bien. Pas si vite! Oh, c'est qui parle? Qui est-ce qui parle? Oh, c'est la Team Rocket. C'est la Team Rocket. Préparez-vous pour les problèmes. Ok, donc forcément, il va y avoir un combat, j'imagine. Ils s'embrouillent déjà entre eux. Ah, ils veulent avoir la Love Spoon. C'est-à-dire qu'on s'est cassé la tête à faire tout ça pour la cuillère. Et eux, ils veulent arriver, ils veulent la prendre, quoi. Ils veulent la donner à leur boss Giovanni, ok. Tu n'auras pas la cuillère. Je l'ai faite pour montrer mon amour à Aiko. Très bien. Bon, c'est quand est-ce qu'il y a le combat? Ah, voilà, c'est parti. Combat double. Ça veut dire qu'on va se battre avec Cyril. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Cyril qui envoie Love Disc. Bah du coup... On va juste mettre Boubombe sur Arbok. Ça devrait le mettre KO. Ouh, le Smogogo qui a fait des gros dégâts sur Love Disc. Ah, on n'a pas réussi à le mettre KO. Bon là, on va mettre Surf pour toucher tout le monde. Ah mais on va tuer Love Disc. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Non, c'est bon, on n'a pas tué Love Disc. Il s'est fait tuer par l'adversaire. Oh, on a fait tellement de dégâts. Et là, bah on va remettre Surf, hein. On a fait des gros dégâts sur le Zeblitz. Ok, Hydro qui passe niveau 38. Hydro qui a carré la game. Hein. La Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Bah oui. Voilà, forcément. Hydro a l'air de tenir... Qu'est-ce qui se passe? Ok, apparemment, Hydro, il m'a donné un objet pendant que la Team Rocket s'envolait. Tout va bien. C'était magnifique, Cyril. Et toi aussi, Bobby. C'est bien, juste comme c'est. J'imagine que des fois, les choses fonctionnent pour le mieux. Merci, Bobby. Et prends notre Love Disc en remerciement. Mais non, mais j'en veux pas.
J'en veux pas de ton love disc. Non, non, je veux pas lui donner de surnom. Je m'en fous. En remerciement, Bobby, est-ce que tu as besoin de quelque chose en particulier? Bah oui, la cuillère, justement. Oh, à propos de la Love Spoon, comment la fabriquer? Je pense que dessiner une clé dessus, ça fonctionne. Ça signifie la sécurité. Un fer à cheval pour la chance. Et aussi, bien sûr, un cœur pour l'amour. Très bien. Donc, c'est les secrets de fabrication de la Love Spoon. Très bien. Est-ce que c'est tout, Bobby? Tu es plutôt gentil. Oh, Aiko et moi, on va aller en vacances. Oui, on part à Resort Thailand, dans une région assez lointaine. J'ai entendu que Terratown est juste parfaite pour les couples. Ne nous oublie pas, Bobby. Peut-être qu'on se reverra. Je n'oublierai pas ce que tu as fait. Tout ça, bref, c'est merveilleux. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et du coup, on a fini, là. Qu'est-ce qu'il faut faire, maintenant, en fait? Ah, maintenant, il faut qu'on... Je sais. Alors, déjà, on va faire un truc. Par contre, il faut que je regarde un truc. Voilà, c'est ça, on a le love disc. Pour pouvoir le mettre au PC, il faut qu'on lui retire la lettre, je crois. Parce qu'on peut pas mettre un Pokémon dans le PC s'il a une lettre attachée. Alors, organiser, voilà, on va reprendre, hop, Billy. Le love disc, on s'en fout, voilà. On le met dans la boîte. On va se soigner pendant qu'on y est aussi. Et du coup, je pense qu'il faut s'envoler dans le village perdu, je sais plus comment ça s'appelle. Le village au nord. Pour aller voir la grand-mère. Je pense. Je pense qu'il faut faire ça. Allez, oiseau. Ah mais non, on peut pas voler parce que c'est pas sur la carte. Le village, il est pas sur la carte. C'est ça qui est génial. Bon bah du coup, faut y aller à pied. Hein. C'est qui le Pokémon le plus rapide dans notre équipe? Parce qu'il nous faut un Pokémon rapide pour pouvoir fuir. Ah bah c'est Pidgeotto, je crois. Hein. Ouais, avec 84 de vitesse. Voilà. Allez, oiseau. Voilà, en première position. Hop. Direction la grand-mère. Top, top. Je crois que c'était ici. Hein. Ouais, c'est ça, c'était ici. Aquaford Town. Hop. Va parler à Becca en premier. Très bien. Oh, est-ce que tu as eu des idées pour la Love Spoon? Alors, commençons. Eh ben oui, parfait. Oh, ça y est? Ça y est! Enfin, on a la cuillère. Ah, oh, on s'est donné du mal, mais ça y est, ça a payé. Très bien, la cuillère est terminée. Tu vas la donner au Dragon Slayer, n'est-ce pas? Juste, reste en sécurité. Voilà la cuillère. Maintenant, tu retournes à Camry? Bien, je peux t'emmener à Palm City. Très bien. J'ai l'impression que j'arrête pas de me faire trimballer par tout le monde, en fait, de ville en ville. Hello, Bobby. Ah, c'est Marie. Tu devrais venir à Brevity Village. Je t'attendrai devant la bibliothèque. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé, donc viens, s'il te plaît. Très bien. Il faut qu'on aille à Brevity Village, maintenant. Bah, écoute, on va s'envoler, hein. Heureusement qu'on a encore Oiseau dans l'équipe. Alors, c'était ici, là. Ouais, voilà, c'est ça. Pouloupou. Ok. Ça y est, ah, elle est là, Marie. Hé, hey, Bobby, je t'attendais ici. Allons dans la bibliothèque ensemble. On va pouvoir lire des livres. J'aime lire des livres, spécialement les anciens livres. Les livres numériques n'ont pas cette odeur de livre. Ah, bah oui, forcément. Est-ce que c'est bizarre? Ouais, non, mais on s'en fout, allez. Entrons à l'intérieur. Donc elle est là, Marie. Vas-y, va voir et choisis un livre. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? J'aimerais que les livres puissent me parler. Ou peut-être pas. Non, je pense que t'as pas envie. Un livre qui parle, ça doit être bizarre. Oh, bonjour, dresseur. Ah, c'est Blitza. Bah, c'est elle, Blitza. C'est la sœur du Dragon Slayer, normalement. Si je dis pas n'importe quoi. Hein. Mon nom est Blitza. Je vis à Lucena Town, pas très loin d'ici. Je viens visiter la bibliothèque. Est-ce que tu aimes cet endroit? Oh, je vois des emblèmes sur toi. Tu prends part au challenge de Camry, hein? Je te souhaite bonne chance. Maintenant, je dois continuer... ok, très bien.
Très bien, donc elle travaille ici ou un truc comme ça? Et elle veut quoi? Est-ce que je peux t'aider? Quelle que soit ta question, ma réponse est non. Alors faut s'imaginer le truc, hein. T'arrives dans une bibliothèque, tu regardes un peu les livres, puis à un moment tu te dis, tiens, tu veux une information, tu vas au guichet, et puis là il y a une grand-mère qui a le dos tourné, donc tu dis, excusez-moi? Elle se retourne et là elle te dit, quelle que soit ta question, ma réponse est non. Ok, c'est tellement bien. Très bien, hein. Tiens, bah, on va prendre un livre au hasard. Ouais, tout ça. Bon, apparemment, c'est un livre sur la région de Camry. Non, mais on s'en fout. Oui, on veut prendre ce livre, tiens. Allez. On a pris le livre. Très bien. Et bah, du coup, maintenant, il faut le. Est-ce que je peux t'aider? Ma réponse est non. Non, mais. Tu veux pas. Ah, ça y est. J'ai pas été clair? Non? Oui, je l'ai été. Ma réponse est non. Non! Juste non. Bon, Marie, tu veux pas nous aider? Mais comment on fait? Qu'est-ce que... Je comprends pas. Allez, grand-mère. Ah! Il faut lui parler plein de fois, en fait. Faut lui casser la tête jusqu'à ce qu'elle veuille. Quoi? Je veux prendre le livre, s'il te plaît. Tu n'es pas membre. Et non, tu ne peux pas en devenir un. Ah, c'est une angoisse. C'est une angoisse, cette grand-mère. Je veux devenir membre. On a trop de membres, c'est trop dur de garder une trace. Ma réponse est finale, c'est non. Ok, je reçois un appel. Bobby, ah c'est Tommy. Tommy c'est le mec qui fait partie les trois mecs qu'on voit au début. Il y avait alors je sais plus comment ça s'appelle. Comment s'appelle le premier, je sais plus. Après il y a Marie et il y a Tommy. Tommy il s'occupe de l'informatique, des trucs comme ça, de la logistique j'imagine. Bobby, j'ai entendu de Marie que tu étais dans la bibliothèque de Brevity. La bibliothécaire est une dure à cuire. Tu auras besoin de la carte de membre pour prendre des livres là-bas. Ah, je me souviens, il y a longtemps, j'avais une carte de membre, ok. Je l'ai perdue à Lucena Town Dixite. Tu auras probablement besoin d'un cherche-objet pour le trouver. Ok, très bien. Ça va être encore une quête de l'infini où il va falloir que j'aille de partout. Oh, désolé là, Bobby, je m'emporte. Tu peux trouver ma carte. Oui, bah j'ai compris, il faut un cherche-objet. C'est quelque chose de plutôt rare. Seulement les gens très riches peuvent mettre leurs mains dessus. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'il faut que j'aille trouver un mec riche pour qu'il me donne un cherche-objet. Pour qu'ensuite j'aille jusqu'à Lucena pour trouver la carte de membre. Tout ça pour emprunter un livre à la bibliothèque. Ça se passe comment? Dans ce jeu, à chaque fois, pour le moindre truc, il faut faire une quête de l'infini. Peut-être que Marie, elle peut m'aider. Bobby, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Tu veux une carte de membre, donc tu vas à Lucena Town. Je serai ici si tu as besoin de moi. Très bien, donc apparemment, Marie, elle m'aide pas. Du coup, il faut qu'on trouve un mec riche. Ah bah, je sais! Un mec riche, forcément. Oiseau, hop, voler. On va aller chez Bates. Il nous avait dit, si t'as besoin de quelque chose, reviens me voir. Eh ben, on va aller le voir, hein? Il doit être dans son bureau. Alors, Bates. Ah, il est là. Qu'est-ce que je fais? Je regardais à droite, moi. Hey, dresseur, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Un cherche-objet, bien sûr, tout ce que tu veux. En plus, il prenait la poussière. Très bien. Il m'a donné le cherche-objet comme ça. J'ai juste demandé, il me l'a donné. Oh, il est tellement sympa. En utilisant ça, tu peux trouver des fossiles. Ah, ça, c'est bien, ça. C'est très, très bien. Il y a une fonctionnalité spéciale. C'est pourquoi. Les fossiles sont faits de métal, bien sûr. Très bien. Ok. On peut trouver des fossiles, quoi. Donc c'est un cherche-objet du futur. Du coup maintenant faut qu'on se casse. Faut qu'on aille à Lucena Town, j'imagine. On fait que de s'envoler depuis tout à l'heure, c'est un truc de fou. C'est ici. Voilà, parfait. Ploupou. Par contre, on va faire un truc. Maintenant qu'on est à Lucena Town, on va déposer Oiseau.
pour reprendre Pico. Non, qu'est-ce que je fais? Voilà. Hop. Parfait. Ah mais tiens, Lucenatan Dixite. Il me semble que... Alors je suis pas sûr de moi, hein. Faut que je regarde ça, je vérifie. Electra, résumé, la page du Pokédex, voilà. Et si on regarde les informations, la méthode d'évolution... Ouais, voilà, c'est ça. Évolue en, au Lucena Dixite, donc ça doit être ça. Ça doit être ça. Bah du coup, on va la mettre en première position, Electra. On va la mettre en première position, et puis on va mettre aussi, Pico. Pico en deuxième position. C'est ici ? Salut, gentil dresseur. D'accord. C'est pas ici, mais c'est où ? Mais si, ça se trouve, c'est ici, en fait. Oui, ça a l'air d'être ici. Ah, ouais, c'est ça. Oui, oui, on veut y aller. Quoi ? C'est payant ? C'était pas prévu, ça. Bon, bah, tant pis, hein, il faut payer. On paye 1000$, c'est pas énorme. Ah, donc ça y est, on y est. Quoi ? C'est qui, ça ? Pas si vite. Oh, c'est encore la Team Rocket. Oh, ils sont partout. Prépare-toi, tout ça, ok. De toute façon, on va les défoncer. On va les défoncer. Bon, ils ont encore... ouais, ils ont encore Arbok et Smogogo. Ah, ils mettent Intimidation. C'est pas cool, ça. Du coup, il faut switcher. Hein. En tout cas, il faut switcher avec Electra. Ah, bah, je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre Hydro. Et avec Pico, je vais mettre Surf. Comme ça, je vais toucher Hydro et je vais l'augmenter son attaque spéciale. Oh, parfait, le combo ultime. En plus, mes Pokémon résistent assez bien, là, à leur Pokémon. Ça résiste assez bien, mais Hydro a pris déjà la moitié. Hein. Du coup, là, je peux mettre Boubombe sur Arbok. Et je vais remettre Surf. Hein. Je vais pas arrêter d'attaquer Surf pour augmenter l'attaque spéciale d'Hydro. Par contre, s'il continue de m'attaquer... Ouais, voilà, c'est ça. Hydro tombe KO. Parfait. Oh, ils ont fait un double focus sur Hydro. Bah du coup, j'envoie Electra, voilà. Ça m'a énervé. Acrobatics. Ouais, on va d'abord tuer le Arbok. Là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre Incinerate sur... Ah, ça touche les deux? Ah, ok, bah c'est cool. Non mais arrêtez de faire des doubles focus comme ça. Il faut que je switch. Faut que je switch, autrement Electra va tomber KO. Oh, en un tour, ils lui ont enlevé toute sa vie, quoi. On va mettre Billy. Billy a beaucoup de défense, donc pas de problème. On continue avec Incinerate. Je pensais pas qu'on allait prendre autant de dégâts contre la Team Rocket. Hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre Vive Attack sur le Arbok. Et on va continuer avec Incinerate. Hein. Ok, on prend des niveaux. Oh, il fait mal le Smogogo, c'est trop. Hop, morsure. Allez, là, c'est bon. Voilà. Enfin, on les a battus. Ah, c'était un peu l'angoisse, hein. Et du coup, Electra va évoluer ou pas? Eh oui, bien sûr, Electra évolue. Oh, magnifique. Enfin! L'évolution d'Electra. Oh là là. Je le trouve tellement stylé ce Pokémon. Et la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Encore une fois. Deux fois en un épisode. Du coup, on va aller se soigner quand même. Parce que là, on a pris un petit tarif. Allez, soigne-moi tout ça. Mais ça veut dire que maintenant, il faut lui changer ses attaques à Electra. Parce que si je dis pas de bêtises, ses stats changent complètement en fait. Ouais, c'est ça. On a 73 en attaque, mais on a 122 en attaque spéciale. Et là, on a que des attaques physiques. Donc il va falloir lui mettre des attaques spéciales. Donc, comme d'habitude, voilà, on prend le téléphone, le petit coup de fil à un ami. Pour se souvenir, on va se souvenir de quoi? Je sais pas, on va voir. Ah bah, on a Tonnerre, on a Air Slash. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça, on s'en fout. Ah bah, on a Bug Buzz aussi. Bah, parfait, voilà. On a déjà 3 attaques, donc ça va être cool. Bug Buzz à la place de Plaicroix.
Ensuite, on va mettre... on va mettre tonnerre. C'est un peu long à chaque fois, mais bon, pas le choix. Hein. On va mettre tonnerre à la place d'étincelle. En plus, on gagne en dégâts parce que l'étincelle, c'était seulement 65. Là, on va faire beaucoup plus mal. Et enfin, on va mettre air slash. Voilà. À la place d'acrobatics. Et du coup, on va même pouvoir lui mettre un objet. Parce que avant, on lui mettait pas d'objet parce que il y avait acrobatics, donc on pouvait pas. Enfin, pour avoir un maximum de dégâts, quoi. Est-ce qu'on peut lui apprendre une CT à la place de Machouille? Parce que Machouille, ça nous sert à rien. Non, j'ai pas l'impression. On n'a pas de CT qu'on pourrait lui apprendre. Bon, bah, c'est déjà pas mal. On a déjà des bonnes attaques. On va voir si on peut pas lui mettre un objet. Genre, donc il lui faudrait soit un objet pour les attaques électriques. Électrique, insecte ou vol. Voilà, on peut lui mettre ça. Le bec pointu. Et voilà, nickel. Et c'est parti. On va juste réorganiser l'équipe, peut-être. Bon, on va juste mettre Hell. Voilà, Hell en première position. Et on peut avancer. Par contre, l'objectif, c'est quand même... c'est quand même de trouver la carte de membre. Donc ça, il faut qu'on l'enregistre. Voilà. Comme ça, on peut l'utiliser. Ok, le cherche-objet ne répond pas. Il n'y a pas d'objet. Très bien. Est-ce qu'il y a des Pokémon intéressants? Bon, ça m'intéresse pas trop. Il n'y a pas autre chose? Topiqueur. Non. Topiqueur, non. Ah, on peut pas fuir, c'est vrai. High Jump Kick, allez. La violence. Oh non, il m'a roulé. Il a fait tunnel. Ah, j'aurais dû anticiper. Bon, tant pis, de toute façon, là, au moins... Ouais, mais du coup, il nous met KO. Il nous met KO. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Ok, j'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Il m'a vraiment roulé. Hein. Non, mais arrête de faire tunnel comme ça, les angoisses. Forcément que le Topiqueur, il allait avoir tunnel et moi, j'ai mis High Jump Kick. Du coup, j'ai perdu la moitié de ma vie gratuit. J'ai pas pensé. J'ai pas pensé du tout. Oh, un fossile direct. Très bien. Bah, pourquoi pas. Oh, yo, le Gravalanche d'Alola. Surf. Oh, tellement de dégâts. Ah bah oui, vas-y, mets-nous une attaque électrique. T'as raison. Ah oui, tiens, on passe niveau 39. Là, y'a quoi? Y'a rien. Attention. Non, pas de réponse. Ok. J'ai l'impression qu'il y a plein d'objets par ici. Faut bien fouiller. Ok, y'a rien par ici. Toi, on s'en fout. Oh, ça part dans tous les sens. Une pierre dure. Ça, c'est quoi? Pour augmenter les attaques de type roche. C'est un dresseur, ça. Tu peux creuser plus profond dans ce mur ici. Est-ce que tu voudrais essayer? Ouais, si tu veux. Ah, c'est ce truc-là. Par contre, je connais pas les touches. Ok, ça, c'est pour changer d'outil. Et donc là, si je tape... D'abord, il faut taper avec le gros, je crois. Un truc comme ça. Genre un peu partout. Pour voir un peu les objets qu'il y a. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir des millions d'objets, quoi. Et après, tu changes sur le petit. Ok. Bon, bref. On s'en fout. On a obtenu des trucs. Génial, merci. Je me demande si tu peux pas trouver des fossiles dans ces trucs-là. Le cherche-objet, il nous dit quoi? Il nous dit toujours rien. Est-ce qu'on va la trouver, cette carte de membre? Peut-être qu'elle est là.
Si elle est pas là, de toute façon, elle est nulle part. Hein. Génial. Peut-être c'est la Pokéball, là. Non, ça, c'est un PP-up. Il y a... Ah non, ok, ça a dit... Il y a un objet. Ouais, c'est ça. Il y a un objet enterré par ici. Mais où exactement? Mais c'est la misère. Ça me dit pas dans quelle direction. Ok, un fossile armor. D'accord, donc en fait, il faut avancer, il faut spammer A pour trouver un objet, quoi. C'est génial. On s'éclate. Non, mais en fait, faut juste... Ouais, donc là, il y en a un par ici. Donc on peut chercher. Je sais pas où il est exact. Oh, la carte de membre. Nickel. On l'a trouvé. Magnifique. Est-ce qu'on a oiseau? Non, on n'a pas oiseau. Faut qu'on aille récupérer oiseau pour s'envoler jusqu'à Breviti Village. Maintenant qu'on a la carte de membre. On va juste regarder s'il n'y a pas un dernier Pokémon. Ouais, non. Après, est-ce qu'on prend Gravalanche Alola? Non, j'ai pas envie de prendre Gravalanche Alola. Parce que je me dis que ça pourrait nous aider contre les Pokémon vol. Parce que dans notre équipe, on a vraiment rien pour contrer les Pokémon vol. Ça pourrait nous aider, ça, mais... Je préférerais prendre autre chose, quoi. Allez, on se soigne. On va récupérer oiseau. Alors, oiseau. À la place de Pico. Et du coup, direction Breviti Village. Hop. C'est n'importe quoi. On est censé être à Lucena. Et le repère, il est je sais pas où, tu vois, dans l'herbe, là, quelque part. Ok, très bien. Ça marche bien. Ok, on est arrivé. Bibliothèque. Marie, elle est partie, quoi. Et Blitza aussi. Très bien. Ça sert à quoi, tout ce que je fais, là, en fait? Je n'accepterai pas ta carte de membre. Ok. Ok, mais... Alors, elle, c'est une angoisse jusqu'au bout, hein. Vraiment. Hein. Elle a décidé de nous casser la tête. Ta carte n'a pas été signée. Maintenant, où est-ce que j'ai mis le stylo? Je sais que... ok, très bien. Vas-y, retrouve le stylo, s'il te plaît. Non, mais... C'est moi qui dois le trouver, le stylo? Oui, non, mais... pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il se passe trop de trucs en même temps. Apparemment, il y a eu un truc là-dedans... C'est bon, on a signé la carte de membre. J'ai pas tout compris, mais on a signé la carte de membre. Je crois qu'on a trouvé un stylo. Comment tu as signé aussi vite? Ah, bah c'est le secret. Tu es plus jeune que ce à quoi je m'attendais, honnêtement. Sur la carte de membre, ça doit être écrit genre 8 ans, un truc comme ça. Donc, quel livre ce sera? Les origines de Camry. Oh, c'est un bon livre. Je sais pas, j'ai pris au hasard. J'ai entendu que la région de Camry a de l'influence Welsh, je sais plus c'est quoi. Ah, je sais plus c'est quoi, gallois ou un truc comme ça. Je sais plus. Ce n'est pas évident. Très bien, bon bref, on s'en fout. N'hésite pas à revenir. Si j'étais toi, je dirais bonjour à Blitza, à Lucena Town aussi. Ok, d'accord, donc ça veut dire que la suite... C'est d'aller à Lucena Town pour dire bonjour à Blitza. Et ben, du coup, on fera ça la prochaine fois. On fera ça la prochaine fois. Mais là, pas mal, hein. On a réussi à avoir la cuillère. On a réussi à emprunter un livre à la bibliothèque. Ouf, on a bien bossé, hein. Et surtout, on a défoncé deux fois la Team Rocket. Bref, je vous dis à la prochaine. Et bisous, bisous.